Je ne fais pas de politique, c'est une chose très mal que j'ai faite toute ma vie, je n'ai pas voté depuis 25 ou 30 ans, et c'est une erreur, et je ne milite pas du tout. Depuis 1986, c'est assez surprenant d'ailleurs pour un citoyen engagé qui nous dit que la France est un beau pays. Et j'avais voté à l'époque à droite, donc j'ai dû évoluer si je suis maintenant à gauche. Si vous le dites, donc vous avez évolué, c'est vous qui savez mieux que moi. Je ne sais pas dans quel sens, méfions-nous de l'évolution. Ce que je pense, c'est qu'il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire, et je pense que les hommes politiques doivent faire la politique, et les chefs d'entreprise doivent être chefs d'entreprise. Et à partir du moment où on essaye chacun de se mêler d'autres choses, je ne suis pas sûr que ça marche. Je suis pour que la société civile aide les politiques, vienne aujourd'hui au Sénat pour discuter de l'entreprise, de ce que c'est. Maintenant qu'ils s'engagent en politique, c'est toujours un sujet qui me paraît un peu différent. Vous ne franchirez pas le pas. Il y a des gens que j'aime bien dans ce pays en politique, qui peuvent être de droite ou de gauche. Je peux espérer en tant que citoyen qu'un certain nombre de personnes veuillent gagner. Je ne suis pas un homme public dans le sens, qui doit avoir un impact sur la vie publique ou la vie politique de son pays. Donc non, je ne m'engage pas publiquement. Et quand on me pose la question, je dis… De s'engager publiquement pour avoir une influence, un impact. Non, tout à fait. Et je pense, encore une fois, et je reviens sur le sujet pour mélanger ces deux sujets, que la société civile est aujourd'hui à même d'avoir plus d'impact sur la société que les politiques dans un certain nombre de cas. Et si vous voulez des initiatives qui soient importantes et qui marchent, il y a quelques milliers de politiques dans ce pays, il y a des millions de personnes dans la société civile, ces millions de personnes dans la société civile créent chaque jour des associations, des sociétés différentes. Certes, pour avancer. On en parle souvent, on le reconnaît, mais ça ne vous choque pas d'être dans la galaxie Emmanuel Macron? On vous voit souvent. Non, mais moi, attendez, je suis pour la création d'entreprises, tout candidat libéral me plaît, et donc en ce sens, je crois, sauf erreur de ma part, que François Fillon, que Emmanuel Macron sont des libéraux. Donc, ils vont dans le sens du libéralisme. Après, ils peuvent avoir des positions sur d'autres sujets qui peuvent ne pas me plaire. Mais sur le libéralisme, tout candidat qui est libéral, c'est-à-dire qui accepte que la libre entreprise est quelque chose d'important, je suis ravi de le soutenir.